À Oron, depuis 2 ans, a lieu en début d'été le salon Electrobike, c'est-à-dire le salon du VAE, vélo à assistance électrique. Le principe est simple, vous vous inscrivez ici à l'accueil et ensuite vous allez, moyennant un chèque de caution évidemment, essayer l'engin que vous voulez. De nombreuses animations sont organisées, ainsi que des compétitions avec un plateau relevé, puisqu'il y a Vouilloz, Jordan Ngo, Barrel, etc. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ici à Oron pour l'électrobike. Bonjour à tous, vous avez, une fois que vous êtes inscrits, la possibilité de tester tous ces vélos, 10 constructeurs ici présents sur Oron, avec les meilleures marques représentées. Olivia tout à l'heure viendra me rejoindre au niveau du micro. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous pouvez tester pendant toute la journée toutes ces machines et vous allez vous régaler. Allons faire un tour dans les stands et en l'occurrence chez Cannondale. Jean-Jacques, alors ici on est chez Cannondale qu'on ne présente plus. C'est déjà en VTT. Marque emblématique voilà. VTT. Alors maintenant, vous avez fait le VAE. Oui. Ça marche bien. Est-ce que les gens achètent aussi du VAE autant que du... Il y a beaucoup d'intérêt pour le VAE depuis quelques années. Maintenant, on arrive avec des vélos électriques semi-rigides avec le meilleur ratio poids-puissance, avec un système moteur Bosch active ou performance, ça dépend de la gamme. Et les personnes sont réellement étonnées de la première prise en main d'un vélo électrique. Les personnes sont réellement étonnées. C'est à venir essayer. Bon, alors, un Cannondale, c'est déjà pas donné, on va dire. Un Cannondale VAE, ça vaut dans les combien? On commence à partir de 2 400 € jusqu'à 4 000 €. Et sans le moteur? Bien non, le moteur est vendu avec le VAE. Non, mais par exemple, un Cannondale normal, ça vaut combien? On commence à partir de 600 € et puis on peut monter jusqu'à au-dessus de 10 000 € si on le souhaite. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu technique et nous présenter un peu ce Cannondale? Bien sûr. Alors ce modèle, c'est le Tramount 1. On est un cadre semi-rigide avec un alliage alu Cannondale, spécifique Cannondale. On a un système intégré. Donc le système intégré, c'est la douille de direction plus le point de pivot avec la lefty afin de gagner plus de rigidité et de sensibilité au niveau de la fourche. On a un système Bosch Performance, un moteur Performance qui développe 250 watts et une batterie de 400 watts afin de pouvoir se balader le plus longtemps possible et là où on veut en VTT. C'est la porte ouverte à tout le monde maintenant pour le VTT avec le vélo électrique. Il faut quand même pédaler, j'imagine. Bien sûr, dès qu'on arrête de pédaler, le vélo, l'assistance électrique se coupe. Et lorsque la personne pédale, le moteur vient faire plusieurs centaines d'opérations secondes. Il vient calculer, l'ordinateur du moteur calcule la cadence, la puissance donnée sur les pédales et aussi la vitesse qu'il faut donner. Donc, quand on est sur un vélo électrique, il n'y a pas besoin de gérer le moteur, à part le niveau d'assistance qu'on le souhaite, mais le moteur se gère tout seul. C'est comme une boîte automatique en voiture, on va dire. Ça se recharge en roulant ou pas? Non, absolument pas. Il faut le recharger en moyenne tous les 40 km. La batterie a besoin d'être rechargée. Et il faut à peu près 4 heures pour que celle-ci soit rechargée à 100%. Et en moins de 2 heures, on arrive à faire plus de la moitié. Et la durée de vie d'une batterie? Entre 600 et 800 cycles. Donc on peut la recharger entre 600 et 800 fois. D'accord. Et vrai. Après, tout dépend de où est-ce qu'on la stocke, comment on l'utilise, qui roule dessus. Il y a plein de paramètres. S'il fait froid, il faut la stocker. Normalement, Bosch préconise de stocker sa batterie l'hiver, par exemple, à l'intérieur, pour avoir une température à peu près de 20 degrés à mi-charge. Et une fois qu'on respecte ces conditions, tout est parfait. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Super. Merci. Merci beaucoup. Bon salon. Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-Oron, et Éric Barral, maire adjoint d'Oron, qui font le tour des stands. C'est un prototype alors, on va dire. Un prototype, aussi. Après,
fait selon le cahier des charges. Ah ouais. Du futur acheteur. Non. Non. C'est moi qui, qui impose la qualité. De quoi? Et c'est un charme fou. Quoi. Oui. Je... Vous êtes dans la région? Marseille. Marseille. On ne fait pas que du pastis. Alors le délai pour quelqu'un qui réserve un vélo comme ça, fabriquer, il faut compter 30 jours. Il n'y a pas de pliage, il n'y a pas de coulage, il n'y a pas de... La... Ouais. Une pièce en bas. Combien? J'ai pas entendu. 6 000 à 15 000. C'est de 6 000 à 15 000. Suivant l'équipement. Avec un design unique. Et voilà, là vous avez un vélo. Voilà. Un VTT entre 6 000 et 15 000 euros, ça rigole pas. Ici le stand de Scott. Le commercial pour la marque Scott dans la région, et puis je suis présent sur ce bel événement et on est sensible aux efforts qui sont faits. Hier il y a notamment il y avait des gens de Nice qui venaient de la ville pour essayer le truc, donc je trouve ça très sympa. Des questions sympas, faciles, des gens gentils qui viennent, curieux, et j'ai retrouvé cette ambiance là l'an dernier. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais ravi de revenir chez vous. Écoutez, vous voilà. Venez, nous aussi, on est très contents. Une petite halte au stand de la métropole Nice Côte d'Azur. C'est gratuit, hein, tu confirmes? Voilà, tout à fait, ouais. Donc ceux qui viennent pas, c'est vraiment... on va relancer plusieurs fois. Voilà, donc avec les moniteurs FCF, ils sont partout présents en France. Et là, vous avez les meilleurs d'entre eux qui sont ici présents au rond pour vous faire découvrir le vélo assistance électrique. C'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Il fait grand beau. Donc les moniteurs sont là du cyclisme français. Cyril et Thibault, moniteur de VTT. Pour apprendre le VTT, est-ce que c'est compliqué, c'est long? Dites-moi un peu ça. Des années ou des mois, ça dépend de chacun en fait. Bon, pour avoir, disons, un niveau suffisant pour s'amuser, pas trop se casser la figure. Après, tout dépend des objectifs qu'on veut atteindre et puis l'endroit que l'on veut pratiquer. Voilà. Forcément, si c'est en montagne, dans un terrain super cassant, il faut quand même un gros bagage technique et physique avant de se lancer dedans. Après, le VAE, finalement, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, va aider certaines personnes du coup à pouvoir accéder à des pistes, à des sentiers un peu en altitude, mais l'important c'est de savoir descendre, donc c'est là où finalement l'équipe de MCF intervient en fait. Hein. Nous, on est là pour donner des bonnes bases. Et puis il y a les stages qui sont organisés, il y a les semaines, il y a des coachings personnalisés pour que chacun en fait apprenne en fait les compétences dont il a besoin, comme disait Thibault, pour aller sur le terrain où il habite, où il a l'habitude de pratiquer. Alors est-ce que c'est comme pour le ski, il y a des cours collectifs, des cours particuliers Voilà, c'est ça, des stages comme je vous dis, à la semaine, 2-3 jours, avec vraiment une volonté de progression sur l'ensemble du stage. Et puis après, chaque région a ses spécificités, on ne travaille pas comme sur le même terrain, sur le même relief non plus. Donc voilà, nous on est là pour vous regarder, vous observer, vous dire ce qui ne va pas en fait, hein, vous donner des bons conseils pour que vous puissiez progresser assez rapidement en fonction de vos qualités physiques. Vous avez déjà acquis peut-être déjà tout petit. Cet après-midi, nous avons prévu avec mon adjoint Eric Barral de tester quelques vélos. Voilà. Je pense qu'Eric, lui, ira dans des endroits un peu plus escarpés. Moi, je me contenterai de rester sur le bas. Mais c'est avec un grand plaisir. Merci Madame le maire d'être avec nous. C'est avec toujours beaucoup de plaisir qu'on vient sur cette magnifique station. Monsieur Barral, là aussi, donc vu, le maire a dit que vous étiez sur le vélo. Si vous souhaitiez passer à côté, là c'est cuit. La station d'Oron, eh bien, toujours, on la connaît en hiver et en été. Là aussi, beaucoup de pistes aménagées. Vous avez fait de beaux boulot sur cette station pour le VTT. En général, les vélos électriques aussi. Oui, effectivement, le VTT représente une activité phare et principale pour notre station. Nous avons, depuis l'année dernière, dès notre arrivée, mis en place des circuits VTT débutants avec une piste sur la zone des Laguines, qui est nouvelle. C'est une piste mountain board VTT. Cette année, nous allons faire d'ici 10 jours une nouvelle piste sur ce circuit des Laguines.
Je disais 5 remontées mécaniques, c'est énorme, il n'y a pas beaucoup de stations, surtout dans les Alpes du Sud, qui ont 5 remontées mécaniques dédiées à l'exploitation du VTT. Et là, en plus, avec les VTT assistance électrique, c'est pour nous un petit peu révolutionnaire, parce que ça donne des possibilités supplémentaires, ça élargit le produit, et nous essaierons, en plus de nos remontées mécaniques, parce que l'intersaison, elles sont fermées, nous essaierons de développer également des pistes accessibles sans remontées mécaniques pour l'utilisation de l'électricité sans à Auron, plusieurs remontées sont ouvertes tout l'été pour les amateurs de VTT, ici le Blénon. À 14h justement, de l'arrivée de cette remontée, avait lieu une descente pour les enfants, c'était la mini-kid, voici l'arrivée. Bastien Poyard, dans la catégorie des Benjamins, et on se dit, alors qu'on les aperçoit là-bas, avec le numéro 30, Valérie Bussoyer, 31, William Kwang, 32, Jules Justino, 34, Victor Justino, 35, Gilbert David, 37, Elon Tessule, 39, Enzo Perez, 40, Jacques Percy, 41 et les tout petits, 60, c'est Hugo Marini et 61, Kimio Canibas. Voilà, avec un garçon tout de rouge vêtu dans la descente. Je vous rappelle, les plus âgés ont 14 ans. Et oui, c'est dur, il faut rester. Il y a beaucoup de pévers, ça quitte pas mal. Si on arrive maintenant, on va faire encore un genre pour sa plaque de numéro. C'est Simon Chapelet de Carpentras qui arrive le point. S'il vous plaît, toi, les jeunes. Allez, allez, allez. Allez, le dernier virage. Et yeah, bon, comment 7, c'est Simon Chapelet de Dac. Allez, tranquille, Enzo, c'est arrivé, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, passe le virage, allez. Dans le 37-50 avec le numéro 40, c'est un garçon qui court dans la catégorie. Enzo Perez. Et le deuxième, troisième, Elio Tissu. Allez, bravo. Et il est juste après le virage, avec le numéro 6 en 5e position. C'est déjà pas de avec le numéro 35, le numéro 30, Jean-Pierre Ballard. Comment tu t'appelles ? Simon Chapelet. Simon Chapelet, t'es d'où ? Carpentras. Et t'es venu exprès pour ça et tu fais du VTT tout le temps, c'est ton sport ? Non, c'est pas mon sport, ça fait 5 ans. Et c'est ma première course. Quel âge tu as ? 13 ans. Et il me semble que t'as battu des plus grands que toi, là, non ? Oui. Tu vas persévérer dans le VTT ou quoi ? Ouais, je crois. Bon, ben, en tout cas, bravo, hein. Cette fois, c'est la compétition pour les grands avec les champions, comme Nicolas Bouillos ou Vergier. Et c'est Madame le maire qui va donner le départ. C'est parti pour 6 tours d'à peu près 10 minutes, c'est-à-dire une heure de compétition. C'est assez technique, certains sont même obligés de descendre du vélo. Nicolas Vouillos qui arrive pour son deuxième passage. Comme il fallait s'y attendre, le multiple champion du monde a pris la tête. Bravo.
toujours Nicolas Vouilloz en tête à l'arrivée de son deuxième tour. Nicolas Vouilloz qui est le plus titré des champions de VTT. Phénomène, Nicolas Vouilloz, numéro 22 des Alpes, deuxième tour pour Nicolas Vouilloz. On peut l'applaudir s'il vous plaît, Nico qui va passer une deuxième fois. 9-24 au premier tour. En deuxième position, nous avons Claude Vergier. Nicolas Vouilloz qui est en fait le pote et qui est en train. En troisième position, Olivier Jordanenko. Il a le temps de regarder les spectateurs, c'est avec ça va Claudio. Et Claude Berger, deuxième position, avec Olivier Jordanenko, troisième aussi Olive, avec le Giant. Grosjean quatrième, cinquième Jean-Pierre Bruny. Quatrième position sur Brandon Grosjean, Jean-Pierre Bruny. Allez Arnaud. Les quatre premiers avec Jean-Pierre Bruny qui peut à la traîne alors que rien n'est joué pour les deux, trois, quatre places. Nicolas Bouillot, Claude Berger, Bruny, Jean-Pierre Arnaud Grosjean, Jean-Pierre Bruny qui a tout distancé. Au deuxième. Olivier Jordanenko, 10-0-0 au premier, 10-16 au deuxième, Arnaud Grosjean, 10-0-6 au premier, 10-0-1 au deuxième tour. Jean-Pierre Bruny, toujours quatrième, mais c'est Greg Valsky qui a pris la cinquième place. Jean-Pierre Bruny, multiple champion, belle course, rien n'est joué entre ces garçons pour la quatrième et cinquième place. Bouillot, Berger, Jordanenko, Bruny, Falski, avec Arnaud Grosjean qui devrait arriver 11 minutes 0-0, le temps de Greg Falski. Pinot aussi, qui se fait un peu. William Luneau. Allez, William. Avec le numéro 20 qui est tombé. William Luneau. Nicolas Vouilloz qui termine son cinquième tour, donc plus qu'à 9-24, 9-22, 9-33, 9-26 au tour, un métronome Nico, avec le numéro 7, c'est Quentin Champion qui arrive, allez Quentin, cinquième, c'est absolument fantastique, on va voir le temps de Nicolas Vouilloz dans ce dernier tour, est-ce qu'il va être capable Nico d'améliorer, regardez la descente de ce champion admiré, le... toujours léger, sur vélo, jamais de prise de risque à considérer. Un garçon qui était remarquable aussi en défense, il nous montre maintenant, alors qu'il approche la petite quarantaine, notre Nico Vouilloz qui va remporter cette course à Oron. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, je vous invite tous à venir faire une ovation. Voilà, Nicolas Vouilloz qui gagne la compétition sans surprise. Nicolas Vouilloz avec le numéro 22, monsieur Nicolas Vouilloz qui arrive. Top, c'est terminé pour Nico Vouilloz. Tranquille, le dernier tour.
Petite photo de famille avec les champions et les autorités. Alors là, j'ai Baptiste qui vient d'essayer un vélo et un VAE. Ah, c'est ça ? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est très très plaisant, surtout l'été, pour monter en haut des collines sans prendre les infrastructures du style télésiège ou télécabine. Vous prenez votre vélo électrique avec la batterie chargée à fond. Ça vous permet de monter 4 ou 5 fois en haut de la montagne. Ouais. Après, d'apprécier votre descente comme un vélo traditionnel. Donc voilà, toi, t'es acquis à la cause. J'ai acquis à la cause. Bon, je suis encore un peu jeune, donc je ne vais pas sortir tous les jours avec un vélo électrique. Je vais préférer garder un vélo traditionnel. Mais mon père m'accompagne souvent. Et donc, pour mon père qui a une cinquantaine d'années, pour lui, c'est très plaisant de prendre ce vélo électrique parce que ça lui permet de nous suivre et de se faire plaisir sans avoir le cœur qui lâche ou les problèmes cardiovasculaires. Pour les sorties en famille, quoi. Pour les sorties en famille, c'est très plaisant. Après, en plus, ils ont fait beaucoup d'évolutions depuis que ça existe. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Les batteries tiennent plus longtemps. Vous avez un bon rendement. Vous avez une bonne aide au pédalage, donc c'est vraiment bien étudié. La géométrie des vélos, ils ont bien évolué, donc ça vous permet aussi d'avoir une bonne accroche en descente. C'est très bien fait. Bon, en 2016, ils annoncent des nouveaux moteurs encore plus performants. Donc ça va permettre de vraiment pallier à l'interdiction des engins motorisés en montagne. Ouais. On va pouvoir utiliser ces VAE pour aller se balader et profiter de cette belle région qu'est la PACA. Ben moi je dis bravo. Voilà. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. C'est l'ensemble de nos sentiers, de nos chemins et de nos alpages qui sont offerts à la découverte du plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, qui étaient rebutés par l'idée d'aller souffrir sur les routes de notre massif. Pour exemple, je déjeunais l'année dernière dans un restaurant du village. Et près de nous se trouvait un couple équipé de deux vélos VTT à assistance électrique. Ils m'expliquèrent qu'ils venaient de monter au sommet de la Bonnette par la route de Sestrières. Décidément, je suis une élue privilégiée et je tiens à vous exprimer mon bonheur d'être avec tous ici aujourd'hui. Merci à vous tous et merci à tous les participants et félicitations donc aux vainqueurs. Merci beaucoup. Remis à Thémis et le vainqueur, il remporte dans la catégorie des pupilles, c'est Hugo Marini, vainqueur de cette catégorie des pupilles. Bravo Hugo. Les capes qui vont être remis aux garçons offerts par ERDF. Allez, les photos, et oui, on immortalise, hein. Premier podium. Et vos applaudissements pour ces trois benjamins, Enzo, Elliot, Victor. Et on va évidemment immortaliser tout ça avec les photos et vos applaudissements. Simon Chaplet, Yann, Javi et Lucas. De la Mégakine, les applaudissements. Allez, ouais. Les applaudissements pour ce podium de la Mégakine avec les pupilles, les pantamins et les minimes. Voilà. Oh, monsieur Nicolas Bouillon, vainqueur. On applaudit Nicolas Bouillon, s'il vous plaît. La photo avec les élus, je vous demande de nous approcher, mesdames.